Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais c'est pas possible, non mais c'est pas possible ça. Mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, non. Dis-moi que c'est possible, non c'est pas possible. David, c'est possible ça? Est-ce que c'est possible? Ben non, c'est pas possible. Ben oui, toi tu sais que c'est pas possible. Ils sont combien de... ce maillot là que tu portes là, ce maillot que tu portes David, parce que il faut que tu te parles toi-même. Et le maillot que tu portes là, ils sont combien de leur championnat? Rappelle-moi le championnat, c'est quoi? Deuxième de championnat espagnol, ouais, c'est ça. Avec 64. Oui, ok, oui. Ils sont presque premiers, ils luttent pour la première place pour le titre de championnat d'Espagne. Oh, c'est bien ça, ils sont deuxième. Chelsea, ils sont combien? Quatrième, je sais pas quoi, un truc comme ça, quatrième, troisième. Ouais, c'est ça, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est normal? Non, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est le Real Madrid, hein. Tu vas me dire, c'est une petite équipe de Ligue 2, du championnat de France, hein, ou même d'Espagne, ou n'importe qui. Mais non, c'est le Real Madrid, vous avez bien vu, c'est ça, hein, je me trompe pas, c'est bien le Real Madrid. Ça, c'est le Real Madrid, hein. Ça s'appelle le Real Madrid. Oui, c'est le Real Madrid. Non? C'est ça? Le Real Madrid. Non, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Déjà, je suis dépassé, c'est bon, je suis dépassé. Je suis dépassé. Tellement je suis dépassé, normalement, je ne dois même pas parler. Comme vous avez vu le début de la vidéo, je ne dois même pas parler. Là, je suis dépassé. Là, je ne sais plus quoi dire. Hazard, il est où, Hazard? Hazard, il est où? Quelqu'un a vu Hazard? Hazard, il est où? Il est où? Mais je ne comprends pas. Hazard, ce n'était pas un joueur qui a signé au Real Madrid et qui est numéro 7 et tout ça, non, qui est fort et tout, non, c'est pas lui, Hazard. Mais il est où? Benzema, je comprends pas. Bon, je comprends que Benzema, c'est un grand joueur, oui, il n'arrive pas, mais il y a Benzema, il y a Hazard, il y a des gros joueurs. Comment Chelsea a réussi à les stopper comme ça, les maîtriser comme ça? Le match retour, ça s'est passé par un but partout. Là, normalement, le Real devrait se préparer à ce match pour le gagner. Mais non, je comprends pas. Là, c'est nul. Non, mais ça m'énerve. Je reste calme, ça m'énerve. C'est nul. Je comprends pas comment un grand club comme ça, qu'on appelle le Real Madrid, arrive à être éliminé. Normalement, là, c'est une équipe qui a l'habitude de la Ligue des Champions, qui doit être en finale. Mais c'est quoi ça? Nul, mais c'est nul. On voit plus personne. Tu mets des plots, c'est mieux. Hazard, on ne le voit pas. Benzema, je comprends que deux fois on ne le voit pas, mais normalement il devait être dans le gros match, puisque c'est sa finale. Il est plus. Si on ne le prend plus en équipe de France, c'est là qu'il doit se dévoiler. Après, je comprends que c'est dur pour Benzema, je comprends. Je ne veux pas le tailler, mais je comprends que Benzema, oui, c'est dur. Mais quand même, vous êtes. Le Real, c'est une grosse équipe. Si Barcelone n'est pas là, eh bien, le Real doit être assuré quand même. Il doit être en finale, au moins, là, en finale de la Ligue des Champions, au moins. Mais non, mais là, mais ça m'énerve, moi, ça m'énerve. Comme j'ai dit à mon ami Aruna, ça peut être possible, mais c'est pas normal. Ils ont 2-2, ils reviennent dans un match là où ils doivent être qualifiés. Ils n'arrivent pas. Au lieu de faire un 3-2, un truc comme ça, non, c'est carrément, ils n'arrivent pas. C'est tout ce que j'ai à dire dans ce match, c'est que c'était un match très, très, très chaud. Les deux équipes étaient fortes, étaient bien. Et franchement, j'ai à noter aussi ce joueur de N'Golo Kanté. J'espère qu'à l'Euro 2000, il va faire l'Euro 2021, il va faire pareil, qu'il va emmener l'équipe de France en finale. Puisque là, N'Golo Kanté, on voit que lui, c'est lui qui donne des passes décisives, c'est lui qui fait gagner Chelsea, et Paris qui a fait cette erreur de vendre Thiago Silva. Et oui, Thiago Silva, maintenant il est en finale. Et l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui jouait, qui entraînait qui? Rappelez-vous, hein, moi je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'entraîneur de Chelsea entraînait le PSG et qui a été quitté. C'est une honte ça pour Paris, pour moi c'est une honte. Il a été viré même, il n'est même plus à Paris et regardez qu'est-ce qui se passe là, il est en finale. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un malentendu là, il y a un malentendu. On vire quelqu'un pour que la personne aille faire mieux son travail ailleurs. Et voilà, maintenant c'est une honte pour Paris. Non mais là c'est trop. C'est trop, c'est trop. Non mais c'est trop là, quand même, c'est trop.
Le gars, il a été viré du PSG, il est même plus au PSG. Je sais même plus si, tellement ça me dépasse, je sais même plus s'il a été viré ou c'est lui qui a voulu partir. Je me rappelle même plus, je cherche même pas à comprendre, ça m'énerve. Le gars, c'est un méchant entraîneur, il est bien, regardez. C'est pas parce qu'il fait des fautes qu'il faut le virer, il est bon. Paris aurait dû le garder. Regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est lui que c'est. Tourelle, c'est lui qui est maintenant en finale de la Ligue des Champions. Et Paris, ils sont où? Ils sont éliminés par City. Ben voilà. Faut quand même dire les choses, quand même. Vraiment, on va dire quand même que le personnel du PSG doit avoir les crocs, là. Ils ont de quoi être énervés. Parce qu'un grand entraîneur comme ça, on le vire. Et maintenant, il se retrouve en finale et le PSG est éliminé par ce match contre Manchester City. Mais voilà, bon, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que ce match, il était vraiment tendu, impact. Il était 50-50 des deux équipes. Mais dommage qu'un grand club comme le Real Madrid. Après, ce qui est désolant, c'est que maintenant, qui va se faire tailler au Real Madrid, c'est Zidane. Et on va recommencer à dire qu'il saute, il saute, il saute, il va sauter, il va sauter. C'est pas par que il est arrivé jusqu'à là. Là, il gagne le titre de championnat d'Espagne, par exemple, hein, c'est un exemple, puisque moi je pense que là ça va être difficile pour le Real. Si c'est possible que le Real gagne le championnat d'Espagne, on peut dire que Zidane ne pourrait même pas sauter. Même à la base, Zidane ne devrait même pas sauter. Puisqu'il est deuxième du championnat espagnol et que le championnat espagnol, c'est un grand championnat, vous êtes d'accord avec moi, c'est un grand championnat. Donc voilà, il faut quand même dire les choses. Un grand entraîneur comme Zinedine Zidane, il a été éliminé à la Ligue des Champions. Je comprends, oui. Mais s'il est premier ou deuxième, il finit deuxième, quand même, c'était une saison exceptionnelle pour Zinedine Zidane. Pour Zidane, je pense qu'il ne faudrait pas le déloger. Il faudrait pas déloger Zidane, puisque là, la polémique va arriver rapidement, qu'il faut déloger Zidane, nanana. Non, non, il ne faut pas le déloger. Il faut le laisser par lui-même partir s'il veut partir. Mais moi, je pense qu'il faut garder Zidane. Ce n'est pas cette élimination qui va faire que Zidane part. Et puis, franchement, moi, je dis, sur ce match-là, Chelsea s'est bien préparé. Franchement, ça se voit, ils se sont bien préparés. Pour éliminer un grand comme le Real Madrid, ils se sont bien préparés. Mais défensivement, je pense que le Real, le cycle, franchement, ils sont en fin de cycle. Moi, je dis, ils sont en fin de cycle. Il y a des joueurs qui, voilà, c'est pas pour dire, mais il va falloir un peu changer les joueurs. Mais je n'exclus pas de dire que le mercato, il peut avoir des surprises, puisque le mercato, vous avez vu, il y a Mbappé qui a été éliminé de la Ligue des Champions. Peut-être que le PSG va craquer, ou peut-être qu'il va pouvoir prendre le chemin du Real, ou peut-être pas. Mais en tout cas, il va se passer des choses sûrement dans le mercato. En tout cas, il y a des envies de Mbappé de partir du PSG pour prendre son fauteuil au Real Madrid. Donc voilà, les envies sont là. Après, ça va se faire, ça ne va pas se faire. Je ne peux pas vous dire, mais moi, tout ce que je sais, que là, il va se passer des choses. Mais en concernant Zidane, moi, je pense qu'il a fait tout ce qu'il a pu, Zidane. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il ne faut pas commencer à tailler Zidane. Zidane, c'est un grand joueur, un grand entraîneur. Il a fait ce qu'il a pu. Mais quand même, je suis dégoûté. J'insulte presque le Real, parce que je suis dégoûté. Parce que moi qui voyais cette finale entre le Real Madrid et le PSG, bon, ça n'a pas été possible. Mais au moins, le Real Madrid en finale. Carrément, même pas ça possible là, c'est quand même énervant parce que c'est le Real Madrid, c'est un grand club. Mais on va quand même dire qu'il y a des joueurs qui sont en fin de cycle, qui sont un peu, on va dire, vieux et qui ont besoin d'être changés et d'avoir des joueurs vraiment qui puissent tenir. Comme là, vous voyez, on regarde le match, le but de Chelsea, regarde sur une passe de qui, comme je vois bien, N'Golo Kanté, voilà le premier but, N'Golo Kanté qui a fait la passe. Et qui a fait marquer, bon, le poteau. D'abord, il y a un petit poteau et une petite tête. Bon, je ne cherche même pas à comprendre le nom du joueur et tout. Encore au N'Golo Kanté, au deuxième but, qui fait une passe décisive. Grâce à lui, il y a eu un but. Non, mais là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Le Real Madrid, la défense, on va dire, où elle est un peu vieille, un peu vieillissante, ou je ne sais pas. C'est des choses qui ne se font pas normalement. Le Real Madrid devait passer. Mais moi, je suis très mal et déprimé de ce match. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Comment le Real peut faire? Je comprends pas.
Il faut prévoir ce match, il faut le préparer. Normalement, le Real devrait être en finale. Je ne comprends pas. Tout ce que j'ai pensé, pour une fois, ne se fait pas. Le Real n'est même pas en finale, même pas. Non, mais là, c'est tout ce qui va leur manquer, c'est le championnat espagnol. Et puis, en espérant que le Real va terminer champion du championnat d'Espagne. Et vraiment, ce match, il était vraiment tendu, chaud. On pensait que le Real allait réagir, mais ils n'ont pas réagi. Et je pense que Chelsea a bien préparé son coup et a été prêt offensif. Comme pour vous dire que franchement, le Real d'aujourd'hui est vraiment dans une phase là où ils sont toujours aussi forts, mais il y a des petites choses techniquement à changer, c'est tout. Mais moi, je ne dirais pas que Zidane, il faut le sauter. Non, non. Zidane, il a fait son taf. Et en plus, il a emmené le Real presque champion d'Espagne. Donc, il faut quand même dire les choses. C'est toujours un grand entraîneur. Les amis, moi, je ne veux pas trop parler parce que je suis un peu déprimé que le Real a perdu. Je suis déprimé parce que ça m'énerve, ça m'énerve. Et une grosse dédicace à Monsieur Aruna, le professionnel de la chicha. Et puis, voilà, moi, c'est tout ce que je veux dire. Le Real Madrid, tant pis, il y aura une petite finale entre Chelsea et Manchester City. Mes pronostics dans ce match, je vois un match très très chaud et peut-être une victoire de Chelsea sur cette Ligue des Champions et on va commencer à passer aux choses sérieuses. L'Euro 2000 va commencer, l'Euro 2021 va commencer en espérant que la France avec N'Golo Kanté et tous ces joueurs Chiro qui est. Que je n'ai même pas vu dans cette coupe. Enfin, bref, on n'a même pas parlé. Je ne suis pas là pour tailler les gens. Mais bon, voilà. Moi, je suis dégoûté ce match. C'est pas possible que le Real ait été éliminé aujourd'hui. Il devait être en finale. Il devait être en finale. C'est bon, je me calme. C'est bon. Ça. Une grosse dédicace à Aruna encore une deuxième fois. Et une grosse dédicace à Alexis. Et puis, voilà, tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et vraiment, je suis dégoûté. N'oubliez pas de liker cette vidéo, les amis. On est presque à 30 et 40 likes dans cette vidéo bientôt. Et 20 likes bientôt, ça va arriver. Et je suis dégoûté quand même que le Real n'est pas en finale 2021. La Ligue des Champions, je ne sais pas si c'est le Covid qui fait ça, mais la Ligue des Champions a été un peu bizarre, hein, franchement. Allez, ça les amis, moi je vais dormir, c'est bon. Hein. Ce match, il m'a mis la tête comme ça. En plus, aujourd'hui, c'était une journée vraiment nulle pour moi, une journée dépressive. Donc, je vais aller dormir, je vais oublier cette journée. C'est bon, le Real éliminé, la finale entre Chelsea et le Manchester City. On verra avec si Mahrez va pouvoir va faire du Mahrez à Chelsea en finale. Et l'Algérien va peut-être avoir cette coupe de la Ligue des Champions. Bon courage à Riyad Mahrez et à Chelsea. Bon, moi, je parle plus, c'est bon, je parle trop, je parle trop.